24 heures après l'attaque au couteau survenue dans ce parc de Reading, les enquêteurs qualifient l'acte de terroriste. Un homme de 25 ans a été arrêté hier. Il est soupçonné de meurtre. Il se trouve actuellement en garde à vue. Selon les premiers éléments de l'enquête, les officiers n'ont rien trouvé qui démontrait qu'une autre personne aurait pris part à l'attaque. À l'heure actuelle, nous ne recherchons pas d'autres suspects. Pas de certitude concernant les motivations de l'assaillant. Selon plusieurs médias britanniques, le suspect est un réfugié libyen. Cette attaque est la troisième considérée comme terroriste en l'espace de 8 mois au Royaume-Uni. Le Premier ministre britannique promet d'en tirer toutes les leçons. Si notre système judiciaire doit être modifié pour empêcher que ce genre d'événement se reproduise, nous n'hésiterons pas à prendre des actions en ce sens. Nous l'avons déjà fait concernant la libération anticipée des terroristes. En attendant, les autorités britanniques appellent la population à la vigilance, alors que la menace terroriste reste à un niveau important dans le pays.